Alors aujourd'hui nous sommes avec Laurent Cluzel, donc développeur de jeux vidéo et aussi directeur de l'ISART, la fameuse école du jeu vidéo à Nice. Laurent, comment ça va? Écoute, ça va bien, on est encore en plein événement, donc je vais bien dormir dimanche, voilà. Eh ben, j'imagine. En tout cas, très heureux de pouvoir t'interroger parce que Fire and Forget 2 est un des jeux de mon enfance, ainsi que Wild Streets. Donc, tu m'as beaucoup influencé. Je vais lancer l'interview tout de suite. La première question, c'est si tu devais participer à un remake de tes jeux, est-ce que ça t'intéresserait déjà de le faire? Et si oui, lequel? Alors, effectivement, j'ai une vingtaine de projets sur les 40 qui sont sortis, donc il y en a une vingtaine potentielle que j'aimerais revoir, mais forcément, si j'avais la possibilité, le temps, l'argent, le premier, sans aucune hésitation, c'est l'iQuest, l'Arlésienne sur Amiga 500, pardon. Ouais, qui devait sortir en 91, c'est ça? Alors, qui devait sortir en 91, effectivement, sur en plus l'Amiga, l'Atari, PC 9801 et PC 8801, des PC japonais. Oui, oui. Donc, voilà, effectivement. Donc ça, c'est un jeu qui est en fait, c'est sûrement le jeu que tu n'as pas sorti qui fait le plus rêver. Est-ce que tu peux nous parler de ce gameplay incroyable où chaque personnage se joue différemment? Alors, c'est vrai qu'un petit... L'originalité et la, on va dire, l'ampleur du jeu, c'était que je voulais qu'il y ait 3 jeux en un. C'est-à-dire qu'on puisse jouer arcade, hein, c'est-à-dire un petit peu comme Golden Axe, par exemple. J'ai beaucoup d'inspiration, invocation divine, etc. On pouvait choisir aussi de jouer un guerrier ou une guerrière. Il y avait une deuxième version du jeu où on était plutôt dans un jump and run en étant malin. On jouait un petit farfadet. Et toujours dans le même univers, parce que tout ça était basé sur les mêmes décors. Hein. On se déplaçait dans les mêmes décors avec la même histoire, mais chacun avec un gameplay différent, comme tu l'as dit. Et le troisième, en fait, c'était parce que je voulais penser un petit peu à ma femme qui jouait pas trop aux jeux vidéo. Donc je voulais faire un jeu pour les filles, entre guillemets, parce que c'est un... exploration, on concoctait des recettes et quand on avait des obstacles, des méchants monstres qui nous empêchaient d'aller plus loin, on les transformait en fleurs, en carottes, en papillons si on avait les bons ingrédients. Et si jamais on était à zéro d'énergie, on ne mourait pas. On retournait dans notre boule de cristal et on pouvait se déplacer partout où on était déjà passé avant pour aller rechercher les bons ingrédients pour les bonnes recettes pour pouvoir faire un revival. Mais en fait, il n'y avait pas la notion de mourir et on ne tuait jamais personne, on transformait. Donc c'était vraiment un jeu pour les filles et j'avais vraiment beaucoup d'envie de porter sur autre chose que la violence, le game over, etc. qui était dans tous les autres jeux. Donc il y avait 3 gameplays dans l'univers de l'iQuest, la même île, Arquet, les mêmes types de décors, le marécage, la forêt, le château, l'océan. J'avais fait un gros truc avec un radeau, j'avais fait des ruses. Bon, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais voilà, j'avais vraiment imaginé beaucoup de choses. Et malheureusement, 3 jeux en un avec un seul codeur, c'était pas possible finalement. Je m'en suis rendu compte trop tard. Alors écoute, très intéressant, on va revenir sur une question plus actuelle. Qu'est-ce que tu penses des games as a service et des jeux online? Alors les GAS, pour les nommer, je dirais que c'est vrai que le jeu online, moi j'ai adoré, hein, par exemple EverQuest, j'ai passé des heures et des heures dessus, mais en même temps, aujourd'hui, je me positionne pas comme les jeunes joueurs, c'est-à-dire que je travaille, j'ai beaucoup peu d'heures à consacrer, donc je joue plutôt en solo, sur des aventures que tu peux stopper, reprendre, etc. Donc moi, les GAS as a service, c'est-à-dire les jeux qui vont durer dans le temps, pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est pas ma tasse de thé, dans le sens où moi j'aime bien la nouveauté, changer, explorer, découvrir. Donc par exemple League of Legends, c'est pas moi qui vais faire du 10 000 heures. Donc je trouve que je suis pas le bon public. Et en même temps, je trouve qu'en même temps, c'est un petit peu réducteur, c'est-à-dire que ça provoque, de mon point de vue, hein, des pratiques monolithiques. C'est-à-dire que finalement, on finit par jouer à un seul jeu pendant des années et des années. Et je trouve que, pour moi, c'est pas intéressant. Voilà. Et je trouve que justement, dans la pratique du jeu, c'est la diversité, le fait de jouer à plein de jeux différents qui est beaucoup plus intéressante que d'être 10 ans coincé sur League of Legends, par exemple. Même s'il est génial, hein, c'est pas le fond du problème. Mais moi, je regarderai pas un film, par exemple, pendant 10 ans. Où je lirai pas le même bouquin pendant 10 ans. Alors c'est un peu caricatural, mais voilà, c'est un peu l'idée que j'en ai. C'est la récurrence toujours systématique de refaire les mêmes choses et de continuer. Alors c'est vrai que dans ces de cette manière-là, c'est plus parce que le online permet d'échanger avec d'autres gens et de vivre des choses comme ça. Mais c'est ça l'intérêt, mais du coup, je ne suis pas le bon public pour ça. Non, je pense qu'il faut plus le voir comme un jeu d'échecs par rapport à LoL, où il y a de la recherche de la performance et de l'amélioration par rapport à des gameplays différents des personnages. Mais bon, je comprends très bien ce que tu veux dire, parce que moi, je pense pareil, donc on se rejoint là-dessus. Alors, donc, autre question, s'il y avait un jeu dans l'histoire du jeu vidéo sur lequel tu aurais pu travailler, lequel ce serait? Alors c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, mais là comme ça, c'est vrai que je dirais... Bah, non, mais GTA vraiment, parce que c'était vraiment un jeu donc porté par... c'est Rockstar, hein, si je ne me trompe pas, Rockstar, parce que je suis un peu fatigué, et les frères Hauser, si je ne me trompe pas encore une deuxième fois, qui avait vraiment une approche vraiment profonde, très cinématographique, etc. Et alors comme Red Dead Redemption, par exemple, même si le gameplay m'a un peu rebuté par rapport à un GTA, je trouve que c'est vraiment des jeux où tu es pris aux tripes, entre guillemets, où tu vis vraiment dans un film, pour le coup. Donc ouais, c'est ce genre de production auquel j'aurais aimé participer, parce que c'est pas ce genre de production que je fais naturellement, en fait. D'accord, ça t'aurait challengé, quoi. Exactement. D'accord. Alors, donc, bah justement, là, on a ton exposition, donc c'est tous tes élèves, mais aussi tes productions, et il y a des NFT dans l'histoire, et donc nous, sur la chaîne, on a peut-être une approche assez négative des NFT. Est-ce que tu peux nous expliquer ton approche pour nous faire changer d'avis? Alors moi, bon, mon but, c'est pas de vous faire changer d'avis, hein. L'idée, c'est qu'en fait... il faut éviter d'avoir des positions radicales, il faut essayer de comprendre déjà d'où ça vient, quelles sont les origines de la crypto, etc. Ça permet aussi d'éclairer pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Parce que forcément, si on prend les NFT tout seul comme ça, c'est réducteur. Alors effectivement, il y a eu de l'abus, hein, moi j'en conviens, les pyramides de Ponzi avec les IPs, etc. En plus, moi en tant que pixel artiste des origines, il y avait des choses qui étaient vraiment inesthétiques, moches et vraiment inutiles, et ça servait à rien en fait. Donc bon, si on évacue cette partie-là, donc pyramide de Ponzi, qui s'est écroulée d'ailleurs, les NFT ont du sens à la fois alors, en dehors du jeu vidéo, par exemple dans le commerce, sur le fait d'avoir une association avec quelque chose de numérique tracé, de propriété, alors, on va dire entre guillemets infalsifiable. Voilà, ça a du sens, ça a un intérêt. Et moi je dirais que dans le jeu vidéo, même si je sais que beaucoup de gamers n'aiment pas du tout ça, mais je pense que ça vient justement d'une mauvaise lecture et d'une mauvaise compréhension et un manque de pédagogie en fait sur ces technologies-là. Moi, je pense que ça a du sens à partir du moment où ça a un intérêt pour le joueur. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est du collectible pour du collectible, on est dans le même cadre de League of Legends, avoir acheté un skin qui sert à rien dans le jeu et on a payé. Voilà, pour moi, c'est le même type de registre. Non, si on a des NFT utilities, par exemple, bah, ça permet d'avoir à booster une propriété. Alors c'est ta propriété et tu boostes ton personnage ou une équipe ou etc. avec des plus-values parce que c'est lié directement à ton NFT. Donc là il y a du sens. Maintenant le chemin sera long parce qu'aujourd'hui bon effectivement bah, il faudrait qu'il y ait des plateformes unification où tu puisses effectivement transporter ta propriété, tes expériences de jeu dans différents univers. On en est loin forcément parce qu'aujourd'hui on est dans des univers propriétaires, mais personne ne sait ce qui se passera dans le futur, etc. On a vu dans l'industrie, avec la technologie, tous ces systèmes propriétaires qui finalement deviennent des plateformes où il y a 2-3 concurrents, mais finalement bah, ça devient possible de travailler sur une même forme comme Android par exemple, hein, parce que pour ceux qui ont connu le WAP, par exemple, c'était la foire, hein, c'était du n'importe quoi. Chaque constructeur qui sortait un téléphone avait son OS, avait ses contraintes, etc. Donc, on aurait demandé à l'époque du WAP si on pouvait faire un jeu qui marche sur 5 types de téléphones de constructeurs. Tout le monde aurait dit bah non, c'est pas possible. Bah, aujourd'hui, c'est voilà, vous avez l'Android et vous avez l'iOS, pardon, vous avez Apple, quoi. Donc, aujourd'hui, on en est loin, mais associé au play to earn. Moi, je pense que ça a du sens, mais ça fait un petit peu comme le free-to-play quand le free-to-play est arrivé un petit peu dans les années 2010. Moi, le premier, on rigolait, on se disait ben, des jeux gratuits, on va jamais faire d'argent avec, ça va pas marcher. Mais aujourd'hui, par exemple, le free-to-play représente la moitié du chiffre d'affaires mondial du jeu vidéo à lui tout seul. Donc, ça, c'est un modèle économique qui fonctionne. Donc moi je pense qu'à terme, le play to earn va prendre le relais. Alors combien d'années? Je ne suis pas devin. Mais quand les joueurs sauront que quand ils jouent 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures, 4000 heures à un jeu et qu'en fait ils gagnent de l'argent au lieu d'en dépenser, forcément je pense qu'il y a des gens qui vont, ça va quand même intéresser. Par contre, il faut que la qualité du jeu et de l'expérience de jeu soit au rendez-vous. Et c'est là le problème aujourd'hui en tous les cas. Voilà. Bah, intéressant. Maintenant, justement, lors de cette exposition ISART, j'ai pu voir que y avait des élèves qui étaient extrêmement doués, avec des designs qui sont vraiment tout simplement magnifiques, de haute qualité. Est-ce que tu ne penses pas que l'IA, justement, va les tuer? Alors, déjà, pour la première partie de ta question, donc j'ai des élèves doués, ça c'est certain, mais c'est surtout en fait un engagement dans le travail, dans l'écoute et dans la qualité de la pédagogie. Souvent, quand les gens voient justement les sculptures qui ont été exposées des premières années, les gens se disent « Ah, mais j'aurais jamais pu faire ça, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont doués ?» En fait, la majorité n'en avait jamais fait avant. Sauf que effectivement, ils ont eu une pédagogie, un encadrement, une méthodologie efficace, éprouvée, et ils ont écouté, ils l'ont mis en œuvre et ils ont travaillé, ils ont passé du temps en fait. Tout est une question d'engagement. Donc doué certainement un peu, mais c'est surtout le travail qui va avec et l'envie. Quand on a la passion, on a l'envie, et quand on a l'envie, on travaille. Voilà. Et par rapport à l'IA alors? Alors, oui, j'ai essayé de squeezer la question. T'as suivi. Donc l'IA, c'est compliqué. Déjà, on est au début, comme au début d'Internet. Faire des prédictions sur l'Internet, quand l'Internet commençait à émerger, même des gens de haute volée ont dit des grosses bêtises. Donc maintenant, moi, je dirais que l'IA, tout ce qu'on peut voir, c'est que ça reste, pour moi, moi, c'est ma conviction, c'est un outil. C'est un outil qui va permettre de faire en priorité des tâches rébarbatives, des tâches complexes, mais pour moi, ce n'est pas le remplacement de la créativité. Dans le sens où l'IA porte mal son nom, ce n'est pas une intelligence, voilà, c'est du prédictif. Donc ça va travailler sur une base de données existante, donc il ne faut pas compter sur l'IA pour apporter quelque chose de nouveau. Elle va faire des mélanges, des mix, certes, mais elle ne va pas renouveler le genre, elle ne va pas apporter des nouveaux esthétismes, entre guillemets, même si aujourd'hui on voit qu'on a des IA qu'on reconnaît, Midjourney, etc. Mais parce que justement, c'est une espèce de melting pot, mais qui tourne sur lui-même. Donc l'IA ne va pas remplacer les créatifs. Par contre, de mon point de vue, je pense qu'elle va remplacer certains types de techniciens, c'est-à-dire des choses qui sont que la machine peut faire en fait. Mais la création, les intentions, le contexte, la fonction des choses, c'est pas de l'ordre de l'IA. Aujourd'hui, on en est loin, vraiment loin. Très bien, très bien. Est-ce que, comme Jordan Mechner, tu as pensé à écrire tes mémoires? Alors, je suis pas comme Jordan Mechner. Alors, à la manière. Non, mais voilà, non, mais c'est une boutade, mais voilà, pour resituer, hein, Jordan, c'est le Méliès du jeu vidéo, donc je suis pas à ce niveau-là. Mais par contre, c'est clair que j'ai quand même une expérience professionnelle extrêmement fouillée. J'ai profité de la période Covid où on était enfermés chez nous, voilà, plusieurs mois, plutôt que de perdre du temps à regarder Netflix tout le temps ou à passer mon temps sur Steam. Je me suis dit, tiens, je vais aller ranger mes matériaux, tout ce que j'avais déjà fait, etc. J'en ai au moins 6 ou 7 cartons et je compte pas le nombre de CD, de DVD, de disquettes. Alors les disquettes, il y en a la moitié qui marche plus, hein, j'ai plus qu'à pleurer. Et donc en remettant tout ça en place, en rangeant, je me suis rendu compte qu'il y avait matière effectivement à créer tout un livre. Et de justement pouvoir faire la narration, la transmission de tout ce que j'avais vu, vécu depuis la fin des années 80 jusqu'en 2018, là où j'ai arrêté d'être dans le monde de la conception et de la production. J'ai d'ailleurs sur mon Facebook 32 posts dans lequel j'ai déjà fait un petit résumé de mes 32 types d'expériences pendant ma carrière. Mais l'idée, effectivement, je vais faire un livre. Maintenant, savoir c'est quand est-ce que j'aurai le temps, est-ce que j'attends la retraite, je ne sais pas. J'ai 57 ans, mais suivant ce qu'on nous promet, c'est 64. Peut-être qu'on revient à 62, mais on ira peut-être à 67. J'en sais rien. Donc, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais c'est bien au chaud et c'est en tout cas c'est un objectif, ça c'est certain. Intéressant, intéressant. Donc, dernière question. Toi, comment vois-tu la préservation du jeu vidéo? Parce que ça devient un sujet critique. Donc, comment tu l'abordes? Alors déjà, la problématique actuelle, c'est le démat. le dématérialiser, ça fait que déjà la conservation physique des boîtes, des notices, des médiums, disquettes, etc. Bah, avec le démat, ça n'existe plus. Donc c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les builds quelque part sur des serveurs, je ne sais où. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, pour tout ce qui a existé avant, il n'y a aucun organisme d'État qui a pris les choses en main. Mis à part la BNF, mais la BNF en fait ne sauvegarde que les produits commerciaux qui sont sortis et que l'objet physique qui est mis en vente. Ils ont des moyens limités. Alors, oui, je voulais pas trop en parler, mais effectivement, ils ont des moyens plus que limités, on va dire. Alors après, tout est une question de vision politique aussi, hein, malheureusement, par rapport à l'industrie du jeu vidéo. Et le jeu vidéo comme art majeur, c'est pas encore entré dans les murs institutionnels. Il y a du travail, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Par contre, avec le Conservatoire national du jeu vidéo, le CNJV, donc dont le président est Bertrand Brocard, qui est un historique, puisque c'est celui qui avait fondé CobraSoft, une des toutes premières sociétés de jeux vidéo françaises, dont on va bientôt, si ce n'est déjà le cas, fêter les 40 ans. Voilà. En 2016, il a créé le CNJV. Je le rejoins immédiatement parce qu'effectivement, c'est hyper important de sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel du jeu vidéo français, ne serait-ce que pour les chercheurs, puisque aujourd'hui le jeu vidéo fait partie des Game Studies, hein, c'est-à-dire que les universitaires se penchent sur cet objet, jeu vidéo. Enfin, bon, c'est depuis 2010 hein, quand même, mais bon, ça a mis du temps. Mais en fait, aujourd'hui, personne ne préserve les game design, les concept art, ça traîne chez les gens, dans les boîtes, et quand les boîtes ferment, ça va à la benne. C'est complètement dramatique. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été perdues, mais nous on essaie de récupérer. Donc chez les auteurs qui auraient gardé des bouts de machin, etc. Ça va de la facture pour avoir acheté des disquettes pour la boîte, je sais pas, n'importe quelle boîte, hein, les gens de software. Ça va jusqu'au scénario qui tenait peut-être sur un paragraphe de 10 lignes chez l'encore. Ça va des bouts d'essai de graphisme pour faire une espèce de maquette avant de lancer, de faire le jeu en interne. Bon, bref, tous ces éléments-là, ils sont hyper importants puisque c'est la trace de comment on a fabriqué, comment on a progressé, comment on a évolué dans la fabrication du jeu vidéo. Tout ça est en train de se perdre. Donc le CNJV, qui se situe à Chalon-sur-Saône, récupère le plus possible d'éléments que soit des auteurs, soit des sociétés leur retrouvent. Là, par exemple, Nicolas Gaume, alors il ne l'a pas envoyé au CNJV, il l'a envoyé à MO5, qui est un autre type de conservation. Il a envoyé toutes ses archives de Quel stock, par exemple, donc qui représente des dizaines et des dizaines de documents. Donc oui, alors moi la conservation c'est mon dada. Il faut vraiment qu'on fasse attention, et c'est aussi préserver la parole des gens qui commencent à être âgés. Il y en a certains qui sont déjà décédés d'ailleurs, hein, Dominique Sabon, un très très grand graphiste français qui est décédé malheureusement, et effectivement bah, on a tout récupéré chez son épouse, parce que sinon ça partait à la poubelle, tout ce qu'il avait fait pendant toute sa carrière, et c'était les fondations du graphisme, de la French Touch en fait. Et je remercie aussi d'ailleurs Nicolas Perret pour tout ce qu'il fait comme enregistrement, parce que la parole se perd aussi, c'est-à-dire qu'il y a les documents, mais je parlais de patrimoine immatériel, c'est-à-dire toute l'expérience, tout le vécu, toutes les connaissances, toutes les petites trucs et astuces qui ont été mises en place vont se perdre avec les gens, puisqu'ils ne l'ont pas couché sur papier et ils ne l'ont pas enregistré quelque part. Donc toutes les initiatives comme celle-ci sont hyper intéressantes et pour moi importantes, parce que ça va nourrir un futur fonds du type INA, le jour où l'État se rendra compte de l'importance de ce média qui est la première industrie culturelle au monde aujourd'hui quand même. Donc nous, on a une association du jeu vidéo qui s'appelle Life is a Video Game. On a pour but aussi d'ouvrir un musée du jeu vidéo, mais vu par des passionnés, en fait, si tu veux. Et donc la préservation, forcément, c'est une des choses qui nous importe le plus, parce qu'on a beaucoup de médias physiques et qu'on veut les préserver dans le temps, c'est-à-dire allonger leur durée de vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on t'a posé la question. Et donc si tu as besoin de nos services, eh ben, on pourrait être des mains en plus pour ça. Ah ben, complètement. Avec grand plaisir, parce que de toute façon, plus on sera nombreux, Et mieux ce sera, parce que chacun avec sa petite pierre, ben, ça fera un édifice total, et après on verra sous quelle forme ça peut être unifié. Mais c'est important que voilà votre initiative, d'autres, tout le monde travaille dans son coin entre guillemets plus ou moins, mais c'est déjà une sauvegarde en soi. Donc il faut continuer et il faut essayer de fédérer tout ça, bien sûr, pour rassembler un fonds unique qui peut être localisé à plusieurs endroits, c'est pas le problème, mais qui soit référencé, archivé en fait. Eh ben écoute Laurent, merci pour ton apport au milieu du jeu vidéo et merci pour tes efforts pour former la nouvelle génération de créateurs de jeux vidéo. Eh ben avec grand plaisir, et puis merci à vous hein, pour votre temps et votre intérêt pour Game ISART, qui était le premier événement de ce type à Nice. Ça va.